Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on pourra starter la dernière fois de walkthrough de Company of Heroes Elves of Valor. Nous allons faire la deuxième mission du Tigre de l'Est qui s'intitule Retraite de Villers-Bocage. Après avoir stoppé la 7ème division blindée des rats du désert britannique, Vos demande à ces hommes d'abandonner leur char hors d'usage. Le Tiger Group doit s'échapper de Villers-Bocage à pied pour rejoindre le point 213, c'est pas 213 plutôt. Donc nous avons perdu le jardin, parti d'avant, nous allons nous enfuir à pied. Mais c'est le même principe, nous pouvons contrôler le tir de chacune des escouades. Ce que je trouve d'ailleurs totalement inutile, mais bon. Autant pour le char c'est amusant, autant avec de l'infanterie c'est pourri. Je le dis honnêtement ce que je pense. Hein, Ils auraient... Oh, non, je vais éviter de dire ça tout de suite, mais je sais que vous voulez savoir, je pense que vous vous êtes déjà rendu compte que je trouve c'est que je suis déçu honnêtement de Tales of Valor. M'attendais à plus, mais bon. Je vous expliquerai tous les défauts qu'il a. À la fin de ce walkthrough, eh oui. Donc voilà, nous avons deux escouades. Nous avons Jules et Observed. Bon. Vous avez tout le monde en fait. Il y a quelqu'un qui. Allez au point 2, 1, 3. Prenez une route secondaire. Il est touché, il est touché. Distribuez les trousses de secours. Schnell. Voilà. Bon, maintenant, il faut qu'on fuit. Faut fuir. On décroche les gars. Nous pouvons abandonner les armes, mais bon, ça, on va les utiliser quand même. Préparez-vous au départ. Mais par contre, je vais détruire en fait le plus de matériel possible. Ok, ni vu ni connu. Avantage, c'est comment ils sont camouflés. Et plus marrant, ça va quand même être le sniper. Bon, ouais, on a. En route à mon signal. À couvert et feu sur ce tireur, descendez-le moi. Allez, allez. En route à mon signal. Ah bon. Alors. Lui c'est Burns. Lui c'est Schulz. Lui c'est Schreus. Lui c'est Voss. Et lui c'est Lipsk. Bon, on sait maintenant qui est qui. Il y a pas un Panzer Schreck quelque part. Normalement si, mais bon. On attend. En ordre de marche. Dispersion. Vous voulez jouer au héros? Il faut qu'on récupère un char. On ne peut pas tirer sur tous les rosebifs. Je crois qu'il vaut mieux parfois privilégier la discrétion. Non. Plus vite, Bert. Prêt pour une nouvelle mission. Les rosebifs se retranchent. On va s'occuper de ces imbéciles avant qu'ils ne s'installent. Bert, marquez ces emplacements tout de suite et appelez l'artillerie. Prenez ça, ordre britannique. Voilà. Écoutez les gars. Nous devons faire sauter toutes les positions. Les cibles là, là et là. Ils
pour l'Allemagne. Tiger Group 1, on y va. Attention, Rospif. Voilà les ordres, les gars. De marche. Dispersion, écoutez les gars. Donc, nous allons nous occuper du point sud, là. Alors, là, maintenant que nous avons amélioré là, je vais chercher le surarmement. Je sais vraiment pas comment ces enfoirés se déroulent. Tiger Grouper, un mot fort. Comme ça, les deux vont courir. Tiger Grouper, faut y aller. Voilà. Excellent, les gars, toutes les unités. Une nouvelle cible, la mitrailleuse. Allez hop. Une nouvelle cible. Vous voulez jouer au héros? Il faut qu'on récupère un chat. Et voilà, on a le surarmement. Donc maintenant, à vous de voir ce que vous préférez. Hein. Est-ce que vous préférez améliorer votre tourelle? Parce qu'après tout, c'est ça, on a amélioré déjà le moteur. Mais si ça améliore surtout votre tourelle à la fin, et où est-ce que vous préférez améliorer la radio, ce qui permettra d'avoir du soutien. Moi, je vais mettre le premier écran ici dès que je peux, puis après, j'améliorerai la radio. La tourelle. En route, avancez. Écoutez, les gars. Avancez. On avance sous les balles. Bougez, bon, allez. On court. Yavol. Tiger Dropper. À l'attaque. Et tous les dégâts que vous avez fait avant, par exemple les haies renversées, tout ça, vous pourrez les réutiliser dans Sexy. Faut que vous courez. L'artillerie devrait suffire. Récupérer toujours le plus de galons possible. On peut le faire. Prêt pour une nouvelle mission. Pour avoir le plus de galons, mais bon. Honnêtement, maintenant, moi je m'en fiche totalement des galons. C'est plus du bénéfice maintenant, hein. C'est bénéfique pour plus tard. Faut y aller maintenant. Donc maintenant, nous allons terminer cette mission. Bon, elle est vraiment courte, je vais pas gagner, hein. C'est... Préparez-vous au départ. C'est pas les missions les plus longues, hein, du jeu. Mais elles sont courtes, donc c'est... Autant une qualité qu'un défaut, malheureusement. En route à mon signal. Oui, Hauptmann Boss, allez-y. Yavol. On attend vos ordres, Hauptmann. On avance sous les balles. C'est le moment. On peut payer à tes nous canards.
Par contre, tu feras un tir d'artillerie ici. Ça rapportera toujours du XP. Marcho! Allez! En route, à mon patience, petit garde Lopin! On y est presque! Pas de précipitation! Les rosbifs sont partout! Et ça, j'ai constaté qu'ils étaient partout, hein? Faut y aller maintenant! Et il y a un Panzer Shrek 4 qui aurait pu. Qui peut m'être utile, je vais pas le nier. Écoutez les gars, on se tire! Un Panzer Shrek en fait est très utile dans cette mission pour faire pouvoir permettre de faire sauter les véhicules. La mitrailleuse de caisse marche. On attend les ordres, on arrache sous les balles. Scheiße, il bloque notre sortie. Qu'est-ce qu'on fait? Du calme, trouvez une autre issue. Est-ce qu'on a des ordres? Gigatropper en mouvement! Gigatropper au combat! Le Panzer Faust, tunnel! Voilà, Panzer Show. Et hop, des kills. Tirez sur Toskebob! Tirez! Et maintenant, bon, moi je vais partir sur à droite. On prépare les dispositifs de choc! Yavol! Et là, nous allons faire ce tir-là. Pour faire sauter ce qui reste. Et normalement, il n'y a que 5 gallons à gagner de mémoire dans cette mission. Donc ça devrait le faire. Vous pouvez replier là, mais moi je pense que c'est beaucoup plus rapide de faire le format technique. Hein. Et hop! Allez, allez, allez! Retour au QG! Alertez la section de notre situation! Voilà, c'est ainsi que nous terminons cette deuxième mission du Tigre de l'As. Vous constatez que ce n'était pas si compliqué que ça. Nous sommes sortis indemnes du VR bocage. Et nous avons assigné des blessés pour avoir détruit toutes les signes que nous avons pu détruire durant notre évacuation. En tout cas, j'espère que cette mission vous aura plu, que vous avez passé un agréable moment encore une fois en ma compagnie. Je vous remercie à toutes et à tous de me suivre. Quoi qu'en soit, je vous dis à la prochaine fois et portez-vous bien.